Bonjour à tous, ici Sky Galaxia. J'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 19e épisode de Détective Pikachu. Alors, la dernière fois, on a découvert que c'était un calamar qui avait, dans le fond, blessé les Pokémon. Et là, on veut savoir c'est qui a amené le calamar et pourquoi il a fait blesser les Pokémon. Tu comptes aller voir le Konoma? Moi, je veux bien, mais fais attention à toi. Alors, on parle à tous les mondes. Ne t'inquiète pas comme ça. Tant qu'on ne s'approche pas de leur territoire, le Konoma n'attaque pas. Il paraît que la brume s'est dissipée. Un Konoma, ça me dit rien du tout. Tu en as vraiment vu un dans ce lac? Oui. Ah, c'est là l'affiche. J'imagine que c'est ça la richesse dont parlait le maître d'œuvre. Oui, en se servant de ça, on devrait pouvoir en apprendre plus sur l'écolier que les charpentiers ont transporté la semaine dernière. Alors, ça. Je me demande ce que c'est des symboles et des noms. On dirait une liste qui indique chez qui l'écolier doit être transporté en fonction du symbole sur l'étiquette. Et pour le lac, non, pas de symbole associé à cette destination, on dirait. Ah là là, c'est bien. Ce que le maître d'œuvre nous a dit. Un offre d'emploi de transport charpentier. Nous recherchons de nouveaux livreurs. Venez faire l'expérience avec nous. C'est pas un peu trompeur comme annonce. En tout cas, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas en forme. Une publicité pour transport charpentier. On dirait le registre de colis à livrer. Oh, le registre, qu'est-ce qu'il dit? Voyons voir. Deux colis pour le triangle, un colis pour le carré, trois pour le cercle avec un X, un pour le. C'est tout ce qu'il a décrit. Putain! Ok. On a fait le tour du panneau d'affichage, mais il n'y avait rien sur un colis de destination du lac. Et même pas de symbole désignant le lac en premier lieu. Alors, ce sont peut-être les charpentiers qui ont transporté la caisse. C'est possible, mais encore trop tôt pour l'affirmer. On pourrait commencer pour voir les colis mentionnés sur le registre sont bien arrivés. Bonne idée. On pourrait aussi demander si quelqu'un a remarqué autre chose ce jour-là. Si tu vois pas quel symbole correspond à quelle maison, tu peux toujours regarder les drapeaux plantés devant chaque porte. Les caisses sont entassées et leur facture, j'imagine que c'est décollé cheminée par bateau. Putain. Un blanc de ce que c'est. Oh là, elle est plus grande que je pense. Ok. Ok. J'ai reçu deux colis la semaine dernière. Rien d'anormal à signaler, mais vous avez remarqué quelque chose. J'ai vu des charpentiers porter une caisse. Ce jour-là, je me demande s'il pouvait y avoir de. Quoi, une caisse? Je dirais que la caisse était à peu près deux fois plus grande que sa partie. Ça paraît suffisant pour contenir un calamar. Où les charpentiers sont posés cette caisse? Je les ai bien vus se diriger vers le pont, mais je ne pourrais pas t'en dire plus, désolé. Comparons cet émalage avec le registre. Ouais. J'ai reçu trois colis la semaine dernière, deux appareils photo et un trépied. Oh, vraiment? J'aimerais conserver une trace de la beauté de l'île avant la construction de la station. Louise est au centre d'un projet de construction de station balnéaire qui tirait parti du cadre enchanteur de l'île. C'est vrai que cette nature luxante est un atout majeur de l'île. Alors, une station ici, je vois bien les touristes. Nos vies devraient peut-être
nos vies deviendraient peut-être plus faciles si tout ça se concrétisait, mais à quel prix? Personnellement, je suis contre. Comme tout le monde n'approuve pas ce projet. Bon, on sait combien il a reçu de cailloux comparant avec le registre. J'ai reçu un colis la semaine dernière, c'était une tournée. Le problème, c'est qu'il ne marchait pas. Ah, pas de chance. Je suis bien allé voir le maître d'œuvre, mais il ne pense pas pouvoir le réparer. Même Louise disait qu'il faudrait commander des pièces détachées. Louise était là? Louise était avec le maître d'œuvre. Oui, il aidait à coller des étiquettes sur les colis là où sont stockés. Quel fanat des cinémas. So, Dr. Walls is behind all of this? You know I can't divulge sensitive information like that. Well, hi. Still investigating, are we? It's no use. I've got this case practically closed. Don't be so sure. There are still a lot of things to look into. You're investigating the case too? Anything turn up? Yes. There are quite a few things. Oh. Well, good luck, Tim. Ouais, elle est furax. On dirait qu'elle a pas aimé la réaction qu'elle exprime à son parfum. Tu veux quelque chose? Les serpentiers auraient transporté le camion jusqu'au lac? Non, c'est impossible. Pourquoi ça? Les colis sont réunis sur les jetés où le maître d'œuvre les trie puis colle des étiquettes en fonction de leur destination. Je l'ai dit justement ce jour-là, j'en ai rien remarqué d'inhabituel. Je viens de parler à Brad, alors M. Walls était derrière ses assistants, je n'en reviens pas. Il en recours pour s'affirmer. Mais étant donné les problèmes qu'il a causés par le passé, il semble naturel de le suspecter. Mon arrêt prochain. Je vois effectivement, Walls peut avoir utilisé les emportés pour transporter les caisses en bois. Je mets mes hommes sur le coup. Je vous jure, il tient vraiment à faire Walls coupable. Qu'avez-vous dit à Louise? Vous ne pouvez pas continuer à accuser M. Walls comme ça. Que me dis-tu là? En tant que lieutenant de police, il est de mon devoir de rassurer la population. Tss, il n'a même pas de preuve d'ordre de lui rabattre le caquet. Exprime prend son travail très au sérieux. Tu crois qu'il tient à ça de Brad? Ils sont surtout aussi butés l'un que l'autre. Ah, tu as vu la tête de Fluvitin quand elle a compris que tu supportais pas son parfum. Ça sent les embrouilles à plein nez. Oula, t'énerve pas comme ça. Je n'ai pas reçu de colis la semaine dernière et je n'avais aucune raison d'en recevoir vu que je n'avais rien commandé. On devrait comparer cette manière avec une secrétaire registre. C'est quelqu'un.
inconnu manque l'appel. Ouais, mais il n'y a plus comment. D'après le récit, Swaz aurait pourtant dû recevoir un colis. Où est-ce qu'il a bien pu se passer? Est-ce que le colis manquant pourrait être la caisse qui contenait le colomar? Va savoir. On devrait commencer par demander des détails à Swaz et au maître d'œuvre. D'après le résultat de la cargaison, il avait un colis qui devait vous être livré. Mais dans les faits, je n'ai rien reçu. Peut-être que le maître d'œuvre s'est trompé. Allons, bon, j'imagine qu'on devait retourner voir le maître. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Bras de personnes interrogées, ouais. J'espère qu'il ne va pas nous bouler le crâne, ouais. Tu te renseignes sur le colis livré par les charpentiers la semaine dernière? Oui, tu n'as rien marqué de curieux. Maintenant que tu le dis, j'ai vu Louise près de la jetée. Elle a l'air vraiment de bonne humeur. Tu as vu Louise? Oui, elle était drôlement de bonne humeur, je me souviens. Ça m'a surpris vu à quel point ça l'avait irrité que M. Wall refuse. Ah, c'est peut-être Louise! Comme quoi, même elle lui arrive de s'énerver. Pour tout dire, je n'aime pas beaucoup. Elle essaye. Elle était aussi plutôt agressive quand elle essayait de jeter ce terrain. On dirait qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre Walls et Louise. Le nombre de colis livrés ne correspond pas à ce que dit le registre. Je ne peux pas croire que M. Walls nous mente. Et les charpentiers ne se sont pas encore jamais trompés dans leur livraison. Mais je demande ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est Louise, peut-être, qui a fait. Que lui d'écart pour avoir le terrain. Du coup, il faut qu'on aille voir lui. Vous avez fini de réparer le pont? Oui, c'est terminé. Et Brad n'attendait que ça pour traverser apparemment. Un colis pour M. Wars a disparu? Oui, il est paraît. Oh, désolé. Je me serais trompé dans le registre. Si seulement je pouvais demander ce qui en est au charpentier. Pas de problème pour moi, je vais voir avec lui. J'ai bien noté que dans le registre, tous les colis arrivés au bon port la semaine dernière. Louise m'a même aidé à trier, donc il ne devait pas y avoir d'erreur. S'ils étaient tous les deux là, je ne vois pas comment quelqu'un aurait pu discrètement demander au charpentier de l'ouvrir le colis. Le coupable a peut-être un envoyé quelconque. Essayons d'en apprendre plus sur ce qui s'est passé pendant le tri. Ah, attends, oui. Ce jour-là, Louise m'aidait à coller les étiquettes sur les colis. Vous devez remarquer des notes pendant l'écrit. Maintenant que Dieu et Louise n'avait plus son parfum habituel. Ah, son parfum. En fait, après l'enregistrement des colis, je suis retournée au bureau chercher quelque chose que j'avais oublié. Vous vous êtes éloigné des colis pour quelques minutes à peine. Et à mon retour, le parfum de Louise avait disparu. C'était curieux. Un parfum qui disparaît, est-ce que ça a quelque chose à voir avec nos affaires? C'est le pont des mains, on doit demander quelque chose si tu veux bien. Je sais pas. Il n'y avait pas de colis pour voir, ça aurait juste en mentionné pourtant un. Et là, attends, avec ta poutre, on a dit qu'on s'en passait. Alors, vous n'avez pas transporté une caisse de l'arnac? Il dit qu'ils ont transporté une caisse avec un symbole en forme de donut. Un symbole en forme de donut, ça ne dit rien du tout. Elle dit, c'est quoi cette histoire de ce bol en forme de donut? Je ne le vois pas sur le tableau charpent. Mais puisque je te dis qu'on te suspecte pas, je crois qu'on devrait aller au lac pour voir par nous-mêmes. Ah, ça c'est peut-être... Et lui? Je vois qu'on filme qu'ils n'ont rien livré chez Mr. Wells. Une caisse avec un symbole en forme de donut et vous l'avez livré au lac. Est-ce que vous pourriez me dire un peu plus sur ce symbole en forme de donut? Il était tout rond, il sentait bon. Attends, tu me parles d'un donut là, non? Vu que le pont est maintenant réparé, on peut toujours aller voir au lac.
à mon avis, c'est Louise qui a fait ça, vu que Walt ne voulait pas vendre son terrain. Qu'est-ce qu'il y a beau de Barbeau? Il a suivi le comment jusqu'à ce qu'il soit toujours aussi impudent. Tu cherches quelqu'un. Si tu cherches Milo, il n'est pas ici. Pour tout dire, un ami de Milo est soupçonné de celui qui a passé le calamar ici. Oui, moi aussi, je m'inquiète pour eux. J'espère qu'on pourra vite l'innocenter. Merci, on fera appel à toi si on a besoin de chercher quelque chose dans l'eau. Hein? T'as entreversé un objet curieux tout à l'heure? Qu'est-ce que c'était, cet objet curieux? Barbeau? Au bout d'un bois. Tu allais chercher rien que pour nous, merci Barbeau. Ah. Ouais, ce bout de bois pourrait bien nous aider dans notre enquête. Salut Pastrux, qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu nous aider à mener l'enquête, ça c'est pas ta part. Tu es allé piquer du bec au vieux chiffon qui flottait dans le lac et c'est un Pokémon. Attends, tu crois qu'il parle le Barbeau? Pour te faire pardonner de l'avoir piqué, tu lui as donné de l'air médical. Ah, mais c'est Waz en a parlé, c'est vrai. Il disait qu'il n'allait au lac que pour chercher des ingrédients pour des potions. What? Well, look who it is. Your timing is perfect. It seems Dr. Walls is indeed the culprit. They say there's conclusive evidence. Evidence that we pulled out of the lake. Is that? Yes. It's the symbol for Dr. Walls' home. This proves beyond a doubt that he brought the Crawdon to the lake. And it's all I need. Time to accept the truth, Amanda. It's too soon to give up. Let's keep investigating. C'est lui, mais sinon ce soit l'autre. Je ne vois pas comment Waz pourrait continuer de nier les faits après ça. La partie est terminée, jeune détective. Qu'est-ce qui me tâte sur le système? Qu'est-ce de la situation? Même si tu crois pas, mais c'est Waz, je suis... je suis avec toi, surtout n'abandonne pas. Attends, c'est quoi? Toutes les pièces de conviction réunies par la police sont posées sur cette bâche. Tu devrais peut-être commencer par les examiner. Maintenant que le lieutenant tient le coupable, la paix devrait revenir sur l'île. Ce symbole désigne la maison de Waz. C'était donc bien lui qui avait amené le calamar ici. Tu continues à enquêter. On a trouvé l'étiquette près de la caisse. Waz a dû oublier de la récupérer. L'étiquette était encore là, curieux. Cette pierre a une drôle de forme. Sorti de Barbeau. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, moi je crois pas que c'est Monsieur Waz, moi je pense plutôt c'est Louise qui a fait ça. On va vous voir, ouais, le prochain épisode, voir. Du coup, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, en tout cas moi j'ai apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et on va continuer l'enquête d'ici peu. Ouais, dans le fond, bientôt. Écoutez, moi j'ai bien aimé et je vais continuer à jouer à ce jeu. Du coup, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine, très bientôt, pour Détective Pikachu. Allez, des bisous, bye bye.